présente dans les universités, les cégeps et les écoles secondaires du Québec, Force Avenir vise à reconnaître, à honorer et à promouvoir l'engagement étudiant dans des projets qui contribuent à la formation de citoyens conscients, responsables, actifs et persévérants, à la fois enracinés dans leur collectivité et ouverts sur le monde. Force Avenir pense que chaque être humain a le droit de vivre dans une société qui réunit les conditions favorables à son épanouissement. Devant cette mission et cette responsabilité qui incombe à tout un chacun, Force Avenir s'engage à poser un geste responsable et porteur de toutes les possibilités. Notre vie peut prendre un sens à travers l'engagement. On peut aller aussi loin qu'on veut, puis souvent on dépasse même nos propres attentes. Force Avenir a choisi de cibler la jeunesse et de faire connaître des exemples qui parlent, qui sont en mesure d'inspirer les gens et qui illustrent des avenues pouvant être empruntées pour que la société et son système d'éducation répondent mieux à leur mission, soit celle de former des citoyens épanouis, responsables et engagés. Quand on s'engage pour quelque chose, ça te permet un peu d'allumer d'autres personnes. Tu commences à trouver du sens là-dedans, c'est-à-dire, dans ma vie, ce combat-là, j'ai envie d'avoir au moins essayé de faire tout ce que je pouvais. Bonjour à tous. Merci d'être là à la sélection de Force Avenir. Je voudrais d'abord, assurément, remercier tout le monde dans les écoles qui font en sorte que les jeunes aujourd'hui sont ici avec nous dans cette journée extraordinaire de sélection qui va nous mener au gala Force Avenir. Je voudrais féliciter tous ces jeunes-là, ces centaines de jeunes qui vont se présenter ici dans les entrevues, puis qui vont se faire valoir, qui vont nous démontrer à quel point ils sont beaux, à quel point ils sont engagés. Des jeunes conscients, des jeunes responsables, des jeunes enracinés dans leur collectivité, ouverts sur le monde. Alors, à vous autres, à vous, je voudrais vous dire que vous êtes, pour nous, Force Avenir, des modèles extraordinaires. D'abord, on est content de vous reconnaître pour ce que vous faites, pour ce que vous dites, pour ce que vous accomplissez. Mais sachez aussi qu'à l'antenne, il y a des gens qui vous écoutent, puis vous les influencez. Puis l'influence que vous avez sur eux va modifier un tant soit peu leur comportement. Eux autres aussi vont prendre conscience, tout comme vous, de plusieurs choses dans la société. Puis ils vont passer à l'action. Ils vont vouloir faire leur marque, exactement comme vous l'êtes, vous, les jeunes. Alors, en terminant, à tous ces gens qui écoutaient, laissez-vous inspirer. C'est important. Puis pour Force Avenir, être inspiré, c'est aussi passer à l'action. Alors si vous autres aussi, vous voyez quelque chose dans votre société, vous êtes inspiré par un projet, go, faites comme eux. Ces jeunes-là sont extraordinaires, ils ont le pouvoir de changer le monde, puis ils ont aussi le pouvoir de vous influencer. Alors sur ce, je vous souhaite un très bon visionnement. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue au nom de toute l'équipe de Force Avenir à cette journée d'entrevue de sélection du programme Force Avenir au secondaire. Dans les prochaines heures, vous allez faire la rencontre des 12 lauréats régionaux des catégories personnel engagé et projet engagé du pôle régional du Grand Montréal. Alors, vous allez faire la rencontre de membres du personnel enseignant qui sont engagés, qui sont inspirants auprès de leurs élèves, qui les incitent à s'engager dans leur communauté, et aussi des élèves qui, ensemble, ont mis de l'avant un projet pour rendre leur milieu meilleur. Donc, vous allez être inspirés, j'en suis certaine. Si vous connaissez des gens parmi les candidats, on vous invite bien sûr à partager l'adresse de cette web diffusion pour faire connaître leurs histoires au plus grand nombre de gens possible. Alors, bonne écoute et on se revoit un peu plus tard. La catégorie « Projet engagé » reconnaît un élève ou un groupe d'élèves du secondaire se distinguant par la réalisation d'un projet lié à l'un ou l'autre des domaines suivants. Arts, lettres et culture, entraide, paix et justice, entrepreneuriat, affaires et économie sociale, environnement, santé et saines habitudes de vie, sciences et technologies, société, communication et éducation. Ce projet se distingue par ses retombées concrètes, son influence positive sur le milieu et sa capacité à stimuler l'engagement.
la catégorie projet. La catégorie « Projet engagé » reconnaît un élève ou un groupe d'élèves du secondaire se distinguant par la réalisation d'un projet lié à l'un ou l'autre des domaines suivants. Arts, lettres et culture, entraide, paix et justice, entrepreneuriat, affaires et économie sociale, environnement, santé et saines habitudes de vie, sciences et technologies, société, communication et éducation. Ce projet se distingue par ses retombées concrètes, son influence positive sur le milieu et sa capacité à stimuler l'engagement.
catégorie « Projet engagé » reconnaît un élève ou un groupe d'élèves du secondaire se distinguant par la réalisation d'un projet lié à l'un ou l'autre des domaines suivants. Arts, lettres et culture, entraide, paix et justice, entrepreneuriat, affaires et économie sociale, environnement, santé et saines habitudes de vie, sciences et technologies, société, communication et éducation. Ce projet se distingue par ses retombées concrètes, son influence positive sur le milieu et sa capacité à stimuler l'engagement. La catégorie « Projet engagé » reconnaît un élève ou un groupe d'élèves du secondaire se distinguant par la réalisation d'un projet lié à l'un ou l'autre des domaines suivants. Arts, lettres et culture, entraide, paix et justice, entrepreneuriat, affaires et économie sociale, environnement, santé et saines habitudes de vie, sciences et technologies, société, communication et éducation. Ce projet se distingue par ses retombées concrètes, son influence positive sur le milieu et sa capacité à stimuler l'engagement.
OK. Bonjour, je m'appelle Escamilla Richoura. Je suis présentement devant vous pour vous présenter notre comité de cuisine communautaire. Je vais commencer par une petite introduction. En gros, je vais faire une petite description de notre projet et c'était quoi notre objectif. Je vais présenter les différents événements qui ont eu lieu, ainsi qu'une petite conclusion. OK. Le comité de cuisine communautaire, cette année, a été dirigé par Madame Marie-Ève. Il existe depuis de nombreuses années au sein de l'école secondaire Saint-Laurent. En gros, nous réunissons des élèves un jour de congé pour cuisiner et ainsi partager sous différents procédés. Quand je dis sous différents procédés, ça va dépendre de l'événement en question. Et notre objectif, c'est d'aider des personnes, cuisiner et aussi s'amuser. Le premier événement, on a préparé 150 repas avec des sandwichs, du jus et des biscuits. On les a distribués au centre-ville. On espère retourner en mois de mai. C'était le 24 septembre. Et c'était une photo d'après la distribution au centre-ville. Le deuxième événement s'est passé le 25 octobre. On a fait une soupe avec des légumes de saison, des citrouilles avec des poireaux, une citrouille avec une autre au poireau. On l'a donné à l'organisme Meals on the Wheels de Saint-Laurent. On a eu la chance d'avoir monsieur et madame Littner pour nous expliquer le fonctionnement de l'organisme. Pour le troisième événement, s'est déroulé le 3 décembre. On a cuisiné des desserts qu'on a vendus ici à l'école Saint-Laurent. On a pu amasser $150 pour acheter des denrées. Ça, c'était pour un autre projet, mais on a pu amasser 1600 denrées pour un autre projet. En tant que représentante du projet, ça a été vraiment un grand honneur pour moi. J'ai pu contribuer car je sais que même un petit effort de ma part a pu servir à quelque chose. Et j'ai pu avoir la chance de témoigner de l'esprit d'équipe au sein qui a fait de ce projet une grande cause, malgré les circonstances dans lesquelles nous étions, le Covid et tout. On a dû respecter les mesures sanitaires et tout. J'espère grandement qu'il continuera à grandir. Et merci encore à Madame Marie-Ève à l'école Saint-Laurent d'avoir contribué grandement pour ce projet. Merci beaucoup. Des questions? Donc, Lydia, tu peux arrêter le partage d'écran, puis on va débuter justement là, la période de questions. Parfait. Donc, je vais repartir le chronomètre, puis je vais donner la parole à Madame Tan pour la suite. Allez-y, Madame Tan. C'est super comme projet. Merci beaucoup. C'est fantastique. Moi, j'ai beaucoup aimé l'idée que même si tu fais des profits et tout ça, tu les réinvestis pour aider d'autres organismes et pour d'autres missions. J'ai une question. J'aimerais savoir, tu sais, mettons un élève dans ton école, comment il fait pour rentrer dans l'organisme, dans le groupe pour pouvoir participer? On nous donnait d'abord une fiche signée par les parents. Et pour rentrer, on devait décrire sur la fiche si on rentrait en groupe. Ça dépend parce que pour le projet, on est allé au centre-ville pour distribuer les 150 denrées. On est allé au centre-ville, mais on est rentré en groupe. Ça dépendait. Sur la fiche, ça devait décrire si on rentre en groupe avec les personnes qui supervisaient les élèves et tout, ou si tu rentrais seul dans l'autobus. Et je comprends. Fait que dans le fond, c'est comme une fiche qu'on remettait, que ton enseignant, par exemple, te remettait à tout le monde. Fait que là, au début de l'année, on peut choisir, on rentre ou on participe ou non. Mm-hmm. Super, merci. Allez-y, Marie-Ève. Ah, je m'excuse. Ben merci pour cette présentation. Merci aussi pour le détail là, concernant toutes les activités que vous avez menées. Ma question concerne justement les activités. J'aimerais savoir comment vous faites pour déterminer quel type d'activité vous voulez faire, quel organisme avec lequel vous allez vous mettre en contact, tout ça. Donc, comment ça se fait avant que l'événement se tienne? Dans le fond, tu sais, c'est quoi les étapes que vous faites? D'abord, on choisit le projet. C'est Madame Marie-Ève qui détermine quel projet serait bien afin de respecter les mesures sanitaires d'abord et la sécurité des élèves.
on s'est dit que si on faisait quelque chose de simple, mais qui pourrait aussi aider à contribuer, ce serait mieux sans en faire trop aussi. Avant de sélectionner le projet en question, on regarde d'abord les préalables avant de choisir. Je ne sais pas si c'est bien de répondre à la question. Oui, bien merci. Puis, dans le fond, ensuite, pour approcher là, les partenaires, comme là, vous avez travaillé avec Meals on the Wheels, tout ça, comment vous faites pour amener les partenaires à travailler avec vous, à vous connaître? Justement, avec l'organisme, avec le projet, celui des missiles sans denrées, on a travaillé avec eux parce que les denrées, on les a données à l'organisme. Donc, c'est comme si on se connaissait et c'est comme un organisme. Justement, ils ont donné la soupe à des personnes âgées qui n'arrivent pas à cuisiner eux-mêmes ou comment on appelle les personnes en convalescence. Ouais. Donc, merci Marie-Ève. Donc, Monsieur Vanier, allez-y pour votre question. Oui, tout d'abord, bravo, félicitations pour votre implication, félicitations à toute l'équipe. C'est vraiment un projet magnifique, puis on voit que ça a changé, ça a fait une différence dans la vie des autres. Donc, vraiment bravo. Moi, j'aimerais savoir, en fait, c'est quoi l'implication des élèves, des étudiants, vraiment concrètement dans ce projet-là? Quel est votre rôle dans toutes vos activités lorsque vous allez faire les différentes recettes ou est-ce que ça, disons, ça dépasse le fait de juste faire les recettes? Les élèves, ils cuisinent eux-mêmes. Ils ont le choix de prendre un jour de congé eux-mêmes parce qu'ils se disent, si je peux contribuer à faire quelque chose qui peut aider autrui, ça pourrait me rapporter à moi-même ou peut-être rapporter aussi à la personne, comme une personne qui n'a pas mangé depuis des semaines et tout. Ils cuisinent et après, ils le partagent. C'est comme, ils choisissent une recette, ils font des différents stands où, par exemple, la personne, on se dit, tu prends le pain, tu vas lisser, tu vas beurrer et tu vas juste faire les sandwichs. Une personne, tu vas rajouter les jus dans les sacs. Ou ça va dépendre de chaque personne qui veut faire quelque chose, aider. Puis est-ce que c'est vous qui choisissez également les organismes auxquels vous donnez? Non. On ne choisit pas. Ouais, je pense, ouais. Ouais, on les choisit. Ouais. OK, merci. Merci, M. Vanier. Donc, à votre tour, M. Gosselin, pour votre question. Premièrement, félicitations pour votre projet. Un super, super projet. Je voulais voir avec toi, qu'est-ce que tu retiens, toi, de cette implication-là? Ton implication, elle te rapporte quoi, selon toi, dans ce genre de projet? Selon moi, elle m'a aidé à sortir de ma zone de confort. Parce que normalement, je suis une personne assez introvertie et j'ai pu travailler en équipe. Et j'ai aussi aimé la sensation d'aider autrui. Le fait aussi de développer mes talents culinaires, ça dépend. Ouais, c'est tout. Parfait, merci. Monsieur Vanier, votre question? Merci, Monsieur Gosselin. J'ai une deuxième question. J'aimerais savoir comment vous voyez ça, le fait que bon, certains élèves vont éventuellement graduer, puis le projet, va falloir peut-être que le projet continue par la suite. Comment vous voyez ça, la transition? Est-ce que vous prévoyez continuer le projet dans le futur? Ouais, j'espère grandement. Ouais. On va voir si le projet va continuer dans l'avenir parce que je le vois plus. Si on avait plus de fonds ou si on pouvait développer, organiser comme un événement. Justement, on avait eu un événement avec des personnes âgées qui étaient venues. Ils ont fait une soirée dansante avec de la nourriture et j'espérais vraiment revoir ça prochainement. J'espérais. Merci.
Merci beaucoup, M. Vanier, pour la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Lila? Bon, ben écoutez, mais merci infiniment, Lila, pour avoir participé à cette entrevue de sélection. Donc, je vais vous demander de quitter le Zoom. Merci, passez une bonne journée. Merci. Tu es créatif, tu fais preuve de leadership et tu es impliqué dans plusieurs projets au sein de ton école et de ta communauté? Connais-tu Force Avenir? Force Avenir vise à reconnaître, à honorer et à promouvoir l'engagement étudiant et la persévérance. Dans le cadre de son programme au secondaire, l'organisation remet chaque année plus de 640 000 $ en bourse. Je t'explique. D'abord, le programme Force Avenir au secondaire est réparti en quatre pôles régionaux: Québec et Est du Québec, Grand Montréal, Saguenay-Lac-Saint-Jean et Côte-Nord, Outaouais et Abitibi-Témiscamingue. Il y a aussi quatre catégories dans lesquelles tu peux te démarquer. Élève engagé, élève persévérant, personnel engagé, projet engagé. Peu importe la catégorie, le processus de sélection est le même dans les quatre pôles régionaux. Comment ça fonctionne? Prenons par exemple Félix, un jeune créatif, audacieux et engagé dans mille et un projets pour faire une différence autour de lui. Il inspire ses camarades de classe et impressionne ses professeurs, ce qui incite le comité de sélection de l'école à soumettre sa candidature à Force Avenir dans la catégorie élève engagé. Automatiquement, il devient lauréat local et reçoit un diplôme et une médaille de bronze lors du Gala Méritas de son école. Pour réaliser cette première étape, plus de 500 personnes s'impliquent dans les comités de sélection locaux partout au Québec. Le dossier de Félix est ensuite soumis au jury régional composé de 5 personnes. Après une première évaluation, le jury détermine les 6 lauréats régionaux de sa catégorie qui méritent un diplôme et une médaille d'argent, une bourse de 500 $ et qui seront invités au gala Force Avenir au secondaire. Ces lauréats seront promus sur les réseaux sociaux et dans les médias partenaires. Félix est maintenant convoqué en entrevue de sélection devant le jury régional. Il aura la chance de démontrer son leadership et les impacts positifs de ses engagements. Au terme des entrevues, le jury choisira le grand lauréat régional de sa catégorie qui remportera un diplôme et une médaille d'or, une bourse de 1000 $ et qui représentera son pôle régional lors du gala. Ces grands lauréats seront, une fois de plus, promus dans les médias et sur les réseaux sociaux. De plus, dans les catégories élèves engagés et élèves persévérants, les jurys sélectionnent 58 bénéficiaires d'une bourse d'études universitaires d'une valeur de 10 000 $ chacune et 12 gagnants d'une attestation offrant la gratuité pour un programme de formation professionnelle. Et ce n'est pas tout. Les dossiers de tous les médaillés d'or de chaque catégorie dans chacun des quatre pôles régionaux sont soumis au grand jury national qui se compose de 7 personnes. Après évaluation, le jury sélectionne le grand lauréat provincial pour chaque catégorie, ainsi que les 4 lauréats du prix Coup de cœur régional, qui mériteront tous un trophée Avenir et une bourse de 1500 $ ou 1000 $ remis lors du gala Force Avenir au secondaire. Alors, tu t'engages? Un leader, une de ses principales caractéristiques, c'est à mon point de vue de mobiliser, d'être capable d'aller chercher des personnes qui vont adhérer au projet
auquel il croit ou qu'il véhicule. Ça va être vrai pour un leader qui est à la tête d'une entreprise, mais c'est vrai pour un leader qui est à la tête d'un mouvement social ou qui a un projet particulier et pour lequel il est capable d'aller chercher des ressources. La principale ressource, c'est qui? C'est quoi? Ce sont les ressources humaines. Je crois que le système d'éducation est prêt à s'ouvrir à une façon différente de faire. Il y a un terreau fertile, surtout qu'on veut tellement que nos jeunes deviennent des citoyens responsables avec les connaissances et les compétences qui vont leur permettre d'aller au bout de ce qu'ils sont, de leurs rêves, de leurs talents. Dans le fond, c'est de donner de l'espace à l'imagination. C'est de s'assurer qu'on peut sortir un peu du cadre pour accepter des nouvelles initiatives, pour accepter des façons de faire différentes. Et puis, il y a plein de gens dans nos écoles qui sont prêts à le faire, je suis certaine de ça. Il s'agit juste de leur donner un petit go, leur dire, vous pouvez y aller, hein? Il y a de la place pour l'imagination ici. Tu es créatif, tu fais preuve de leadership et tu es impliqué dans plusieurs projets au sein de ton école et de ta communauté? Connais-tu Force Avenir? Force Avenir vise à reconnaître, à honorer et à promouvoir l'engagement étudiant et la persévérance. Dans le cadre de son programme au secondaire, l'organisation remet chaque année plus de 640 000 $ en bourse. Je t'explique. D'abord, le programme Force Avenir au secondaire est réparti en quatre pôles régionaux: Québec et Est du Québec, Grand Montréal, Saguenay-Lac-Saint-Jean et Côte-Nord, Outaouais et Abitibi-Témiscamingue. Il y a aussi quatre catégories dans lesquelles tu peux te démarquer. Élève engagé, élève persévérant, personnel engagé, projet engagé. Peu importe la catégorie, le processus de sélection est le même dans les quatre pôles régionaux. Comment ça fonctionne? Prenons par exemple Félix, un jeune créatif, audacieux et engagé dans mille et un projets pour faire une différence autour de lui. Il inspire ses camarades de classe et impressionne ses professeurs, ce qui incite le comité de sélection de l'école à soumettre sa candidature à Force Avenir dans la catégorie élève engagé. Automatiquement, il devient lauréat local et reçoit un diplôme et une médaille de bronze lors du Gala Méritas de son école. Pour réaliser cette première étape, plus de 500 personnes s'impliquent dans les comités de sélection locaux partout au Québec. Le dossier de Félix est ensuite soumis au jury régional, composé de 5 personnes. Après une première évaluation, le jury détermine les 6 lauréats régionaux de sa catégorie qui méritent un diplôme et une médaille d'argent, une bourse de 500 $ et qui seront invités au gala Force Avenir au secondaire.
Ces lauréats seront promus sur les réseaux sociaux et dans les médias partenaires. Félix est maintenant convoqué en entrevue de sélection devant le jury régional. Il aura la chance de démontrer son leadership et les impacts positifs de ses engagements. Au terme des entrevues, le jury choisira le grand lauréat régional de sa catégorie qui remportera un diplôme et une médaille d'or, une bourse de 1 000 et qui représentera son pôle régional lors du gala. Ces grands lauréats seront, une fois de plus, promus dans les médias et sur les réseaux sociaux. De plus, dans les catégories « élèves engagés » et « élèves persévérants », les jurys sélectionnent 58 bénéficiaires d'une bourse d'études universitaires d'une valeur de 10 000 $ chacune et 12 gagnants d'une attestation offrant la gratuité pour un programme de formation professionnelle. Et ce n'est pas tout. Les dossiers de tous les médaillés d'or de chaque catégorie dans chacun des quatre pôles régionaux sont soumis au grand jury national qui se compose de 7 personnes. Après évaluation, le jury sélectionne le grand lauréat provincial pour chaque catégorie, ainsi que les 4 lauréats du prix Coup de cœur régional, qui mériteront tous un trophée à venir et une bourse de 1 500 $ ou 1 000 $ remis lors du gala Force à venir au secondaire. Alors, tu t'engages? Donc, on peut commencer la présentation. Donc, je vais commencer. Bonjour à tous. Je m'appelle Mélissa Nadeau. Je suis une enseignante au secondaire à Laval et l'instigatrice du projet www.diagnostic-avec-un-cas.me. Donc, lorsque ce projet-là s'est construit, l'objectif, c'était justement d'aider les adolescents dans leur double crise, soit identitaire et sanitaire, à s'exprimer à travers, par le biais des arts visuels. Puis je pense que quand j'ai lancé le projet via les réseaux sociaux, il y a eu un achalandage incroyable. Là. Tout ça, c'est au niveau international. Moi, dans le fond, j'ai choisi Dajiane pour une raison, parce que c'est une étudiante, une élève super engagée que j'ai eue pendant 2 ans, puis qui s'est investie beaucoup dans le projet. Puis, je vais lui laisser la parole parce que c'est elle qu'on veut souligner aujourd'hui. Bon, ben bonjour. Je m'appelle Dajiane Michel Bouchard. Pas prononcé avec un D, juste pour préciser. dans le fond, moi, toute ma vie, j'ai vraiment utilisé les arts comme un moyen d'expression. Et c'est pour ça que je me suis vraiment tournée vers les concentrations artistiques au secondaire. Et dans le fond, Mme Mélissa m'a vraiment permis. Elle m'a donné comme un projet artistique hors du commun que j'avais jamais pu imaginer faire dans ma vie, qui est Diagnostic. Dans le fond, ben c'est ça. C'était un projet qui était vraiment par rapport à soi-même, ce qui est quand même rare à l'école secondaire quand on parle de concentration artistique. D'habitude, c'est plus concentré sur le visuel que sur vraiment l'approfondissement de soi. Dans le fond, le projet Diagnostic, c'était un autoportrait symbolique, ce qui était, c'est pas une image de toi-même, c'est vraiment une image de toi-même, mais visualisée à travers d'autres moyens d'expression, comme ça peut être la peinture, la danse, le théâtre. On a tout fait ça dans notre école. Puis pour moi, ça a été vraiment un moyen d'expression hors du commun. Ça a permis de me découvrir, vraiment de... Mais à travers faut savoir qu'il y a eu un questionnaire à la base introspectif. C'est ça, c'était très introspectif. Ça a permis de le découvrir et vraiment comme trouver les bases de ma personnalité, les bases de moi-même, qui allaient m'amener plus tard, qui vont m'amener en fait plus tard à être la personne que je vais être. Et ça m'a aidé à m'affirmer dans le fond. Donc, ma vie étudiante, blablabla. Voilà, c'était très créatif. Moi, mon projet, ça a été une peinture. J'ai travaillé avec plusieurs trucs, la peinture à l'huile, la peinture acrylique. J'ai fait des collages. C'était très libre, dans le fond. Puis ça, c'était, je pense, quelque chose que tous les élèves ont apprécié du projet. C'était vraiment la liberté qu'on a eue. Puis ça nous a permis vraiment de trouver c'était quoi notre moyen d'expression préféré à nous, puis voilà, de vraiment nous exprimer tous et chacun. Et j'ai pas vraiment rencontré le défi pendant le projet personnellement, parce que le processus a été assez naturel et fluide, et même si un autoportrait symbolique, c'est quelque chose de très, très personnel, on peut s'entendre là-dessus,
Je sentais que j'étais genre dans un environnement qui était très accueillant de ça, de par les élèves autour de moi et ma professeure d'art, Mélissa. Et c'était vraiment la force du projet de diagnostic, c'est que tout le monde se dévoilait à un niveau tellement grand, un niveau tellement genre, profond, justement, qu'il n'y avait plus de place au jugement des autres, tu sais, parce que... Il reste une minute. OK, parfait. Quand tout le monde sait c'est quoi vraiment la personnalité des gens à l'intérieur d'eux-mêmes, tu peux plus juger. C'est vraiment dur. Puis moi, je veux juste dire, dans le cheminement de Dajiane, pourquoi j'ai choisi à travers les différentes étapes, que ce soit la création, que ce soit la promotion. On a fait une vidéo, on a fait des entrevues aussi journalistiques. C'est Dajiane que j'ai invité à venir parce que justement, elle avait fait un cheminement complet. Mais c'est ça. Donc, je pense que c'est la bonne personne à choisir là, pour le partager. Ensuite, les retombées extérieures. Ben, dans le fond, diagnostic à la base, c'est un site Internet et un recueil de plusieurs pays qui ont fait le même projet, mais tous à leur façon. Et ça a permis de regrouper mondialement plein d'élèves qui ont montré qu'est-ce qu'ils ont vécu à travers la pandémie. Le 5 minutes est terminé, Adjane. Le 5 minutes est terminé. Donc, ça va être la période de questions pendant 10 minutes. Donc, je vais repartir le chronomètre. Là, j'ai vu Mme Tan et M. Vanier en même temps. Donc, je vais donner le droit de parole à Mme Tan pour commencer. Puis ensuite, ça va être M. Vanier pour la suite. Bonjour, félicitations. Je pense à travers qu'on a consulté vraiment le dossier. Je suis allée voir le site et c'était d'une qualité professionnelle incroyable, la quantité de gens qui ont participé. Il y a plusieurs toits, il y a plusieurs choses que je suis restée devant. J'ai réflexionné, je me suis retrouvée dans certains d'entre eux, dans certaines combinaisons d'entre eux. Alors oui, c'est pertinent. Puis je comprends des fois à l'école, les projets, on a l'impression que c'est les projets des autres, mais quand ça vient nous toucher, ça vient nous chercher, mon Dieu que ça fait du bien, hein? J'ai deux questions pour vous. Je vais essayer avec la première. J'essaie juste de voir en réalité quelles sont les étapes du projet en tant que tel. Par exemple, Dajiane, toi, au début, on a dû t'intéresser à ce projet-là. Ensuite, tu as dû composer quelque chose. Je voulais juste savoir comment ça fonctionne, en fait. Pour notre projet à nous, dans le fond, Mélissa nous a proposé de remplir un questionnaire d'abord qui était... C'était un questionnaire avec beaucoup genre de questions existentielles, on va dire, qui allait t'aider comme à vraiment te définir dans tout ça. Puis ensuite, avec ce questionnaire-là, où est-ce qu'on avait la base de c'était quoi les émotions qu'on avait vécues à travers la pandémie, c'était qui qu'on était, on s'est dit, OK, là, il faut faire un autoportrait symbolique. Qu'est-ce qui me symbolise, moi? Donc là, on est parti, on a fait des croquis, on a trouvé... Comme moi, j'aime beaucoup travailler avec les fleurs. Je trouve que les fleurs ont toutes une symbolique, chacune d'entre elles a une symbolique différente. Donc moi, j'ai vraiment genre parti dans les recherches sur les fleurs, les couleurs, toutes ces choses-là. Puis on a vraiment tous trouvé qu'est-ce qui nous ressemblait. Et ensuite, on a essayé de transposer ça le plus possible à travers nos toiles. Et c'est ça. C'est un long processus créatif. Moi, ça m'a pris comme 6-7 mois. C'était vraiment long. Mais c'était très satisfaisant à faire. Parce qu'on sentait qu'il y avait vraiment comme une progression à chaque chose qu'on faisait, même si c'était petit, on progressait vraiment et on se découvrait à travers tout ça, puis c'est ça qui a vraiment été fantastique. Est-ce qu'il y avait du temps qui était alloué à ça en classe? Oui. Dans le fond, c'était pendant le temps qu'on travaillait en virtuel et en présentiel. En virtuel, on avait d'autres projets, puis en présentiel, on a consacré comme, je pense, 6 mois de présentiel à ça. Donc, on a vraiment eu beaucoup de temps pour travailler là-dessus. Oui, on était en mode hybride. Ouais. Quand mes élèves étaient confinés, j'allais leur porter le projet à la maison. C'était vraiment à travers, par exemple, le cours d'art ou le cours de... OK, parfait. Exact. C'était magnifique. Merci. Merci beaucoup, Antoine, pour cette question. Donc, M. Vanier, à votre tour. Oui, félicitations pour l'excellent projet. Merci, Dajiane, pour la présentation. Mélissa, la question est peut-être un petit peu plus pour toi. J'aimerais savoir, premièrement, là, ce que je comprends, c'est que c'est vraiment toi qui as été l'instigatrice de tout le projet, puis finalement qui s'est fait adapter un petit peu partout, c'est ça? Moi, j'ai l'idée un vendredi soir, je dis qu'est-ce que je peux faire pour mes élèves, pour qu'ils puissent un peu se sortir de ce groupe bulle hybride, leur montrer qu'ils ne sont pas les seuls
adolescent à vivre les mêmes émotions. Puis là, c'est mon conjoint qui est designer web, dit « Pourquoi tu ne fais pas quelque chose de virtuel? » Puis lorsque j'ai lancé l'idée en classe, ben, les élèves ont tout de suite embarqué. Puis il y a des enseignants à travers le monde qui attendaient juste un projet comme celui-là pour justement sentir qu'on est tous ensemble. Puis les élèves ont tellement évolué dans ce projet-là. C'est à la base le questionnaire introspectif, je ne voulais pas les lire, c'était personnel. Puis après ça, je leur ai demandé « Est-ce que je peux les lire pour comprendre votre création? » Il y a eu des beaux partages. Ça demandait beaucoup de courage, en fait, de s'investir dans une création personnelle comme ça, puis de les mettre sur un site qui a été vu 21 000 fois. les questionnaires, tu sais, comme la démarche, disons, les questionnaires, par exemple, est-ce que c'est quelque chose qui a été fait un petit peu partout? Est-ce que, disons, tu as mis le projet en place en disant, mais voici le projet, puis ensuite, bien, au niveau des créations, c'est ça qui a été laissé vraiment à la discrétion de chaque étudiant puis chaque école? Exactement. Mais en fait, moi, je me déposais tous les outils pédagogiques que j'ai utilisés sur le site. C'est à la discrétion du spécialiste en art. Mais pour la majorité d'entre eux, l'ont fait. Ça permet d'avoir un échange aussi avec l'Argentine et le Chili en direct avec mes étudiants. Il y a des échanges qui s'est fait avec un traducteur. C'est vraiment une belle expérience complète. C'est très multiculturel. Oui, exact. J'ai plein d'autres questions. Je vais laisser mes collègues en poser quelques-unes. Merci beaucoup, M. Vanier. Donc, M. Gosselin, à votre tour pour votre lecture. Oui, d'abord, félicitations pour le projet. C'est magnifique, c'est grandiose. Ma question est pour vous deux, en fait. Qu'est-ce que vous avez noté comme différence entre avant et après le projet, autant pour toi, Mélissa, qui a vu les étudiants grandir, puis pour toi, Dajan, qui l'a vécu, comment tu te sentais avant et après le projet? Oui, bien, je peux commencer le avant-après. Les élèves étaient très timides, très réservés, très... Tu sais, je voyais qu'il y avait une grosse problématique, justement, vu que les élèves, tu sais, avec le masque, c'est très, très renfermé. Je trouve que ça leur a permis beaucoup de s'épanouir. Puis, vous voyez, je fais une deuxième partie cette année qui est beaucoup plus positif, lumineux. Puis, les mêmes élèves participent au projet avec une autre enseignante. Puis, ils ont tout de suite embarqué dans le projet. J'ai encore des enseignants qui répètent l'expérience parce que, justement, ils ont vu évoluer les élèves. Puis, je le vois tout de suite dans leur démarche artistique. Ils se sont très investis. Donc, moi, je trouve que c'est un gros plus au niveau personnel. Puis, cette année, j'ai fait du pouce avec... en fait, pour appuyer le projet, j'ai fait appuyer le projet par des psychologues de pensée positive parce que justement, ça va de soi, ça va ensemble. Mm-hmm. Voilà. Dajan, avant. Tout d'abord, dans la classe, si on parle à une échelle plus petite, je dirais la cohésion du groupe a vraiment explosé. Comme on s'entendait tous très bien ensemble, on pouvait parler à n'importe qui dans la classe et on se sentait vraiment comme proches tous et chacun avec ce projet-là. Et sinon, à un niveau plus personnel, je pense on s'est tous trouvés un peu là-dedans et on a vu qu'on n'était pas tout seul à vivre ce qu'on vivait et que à travers le monde, il y avait d'autres gens comme nous qui vivaient la même chose et ça nous a permis comme de mieux genre consolider notre malaise. Je sais pas comment vraiment l'exprimer. Ça nous a permis de trouver des solutions à nos problèmes, trouver de l'appui de la part des autres, être plus facilement s'exprimer, justement, que ce soit par le biais des arts ou par le biais plus social pour parler. Donc, vraiment, ça a permis un épanouissement de soi, je pense, pour tout le monde. Génial, merci. Merci, M. Gosselin, pour la question. Donc, je vais passer la parole à Mme Gabois. Oui, merci. Alors, félicitations pour ce projet de grande envergure et merci aussi pour votre qualité de réponse. J'apprécie vraiment que vous preniez le temps toutes les deux de bien nous expliquer le tout. On a beaucoup abordé la question plus du développement personnel, tout ça. Puis moi, il y a un aspect qui m'intéressait beaucoup, c'est concernant les liens que vous avez faits avec d'autres milieux,
ici, mais aussi ailleurs. Donc, je me demandais comment vous avez fait pour impliquer des participants de d'autres pays. Puis aussi, c'est quoi les liens? Là, vous avez parlé qu'il y a eu une communication, tout ça, en visioconférence, mais est-ce qu'il y a des liens qui se sont créés à travers ça? Qu'est-ce que ça, au-delà du développement personnel, les liens que ça a amené à créer entre les élèves d'ici et d'ailleurs? Je vais parler, peut-être tu pourras parler. Donc, dans mon cas, ça a été plus au niveau des enseignants, parce que justement, eux vivaient d'autres traumatismes dans chacun des pays, que ce soit par exemple au Japon, en Malaisie, en Afrique, en Belgique, au Chili, en Argentine. J'ai eu des partages incroyables. J'ai une enseignante qui a perdu son père de la COVID. Il y en a un qui a eu un petit bébé puis m'a envoyé la photo de son petit bébé. Cette année, il y a une prof en Roumanie. Eux, ils ont une frontière limitrophe avec la Russie. Il donc, reste une minute à la période de questions. Okay. Donc, c'est ça, c'est des liens qui se sont bâtis plus que scolaires. Enfin, on a un sentiment d'attachement très proche. Et pour nous, ça a été la même chose avec la visioconférence Chili-Argentine. Il y avait une salle de discussion, dans le fond, durant la visioconférence et on s'est trouvé des amis vraiment comme à travers Instagram, justement, on a donné nos Instagram et on a continué à se parler après la visioconférence. Et vraiment, encore à ce jour, je parle à une de nos amies, je pense qu'elle vient du Chili, je pense. Du Chili, ouais. Puis c'est vraiment fou de voir à quel point on se ressemble à travers notre adolescence, je sais pas. C'était vraiment très, très amusant on a trouvé des amitiés à travers tout ça. Je suis désolée. C'est pas mal ça. Bien, merci beaucoup. Malheureusement, M. Vanier, on n'aura pas de temps pour votre question. Merci beaucoup, Mme Gaba, pour la vôtre. Puis merci à vous, Mélissa, à Jeanne, pour votre belle présentation. Votre projet est fantastique. Les jurys ont bien aimé lire votre dossier de candidature. Donc, écoutez, bonne chance pour la suite des choses dans votre parcours pour toi, Jeanne scolaire. Puis pour vous, Mme Nadeau, bien, c'est votre parcours professionnel. Donc, on se redit à bientôt. Merci. Dans les universités, les cégeps et les écoles secondaires du Québec, Force Avenir vise à reconnaître, à honorer et à promouvoir l'engagement étudiant dans des projets qui contribuent à la formation de citoyens conscients, responsables, actifs et persévérants, à la fois enracinés dans leur collectivité et ouverts sur le monde. Force Avenir pense que chaque être humain a le droit de vivre dans une société qui réunit les conditions favorables à son épanouissement. Devant cette mission et cette responsabilité qui incombe à tout un chacun, Force Avenir s'engage à poser un geste responsable et porteur de toutes les possibilités. Notre vie peut prendre un sens à travers l'engagement. On peut aller aussi loin qu'on veut, puis souvent on dépasse même nos propres attentes. Force Avenir a choisi de cibler la jeunesse et de faire connaître des exemples qui parlent, qui sont en mesure d'inspirer les gens et qui illustrent des avenues pouvant être empruntées pour que la société et son système d'éducation répondent mieux à leur mission, soit celle de former des citoyens épanouis, responsables et engagés.
quand on s'engage pour quelque chose, ça te permet un peu d'allumer d'autres personnes. Tu commences à trouver du sens là-dedans, c'est-à-dire, dans ma vie, ce combat-là, j'ai envie d'avoir au moins essayé de faire tout ce que je pouvais. Bonjour à tous. Merci d'être là. La sélection de Force à venir. Je voudrais d'abord, assurément, remercier tout le monde dans les écoles qui font en sorte que les jeunes aujourd'hui sont ici avec nous dans cette journée extraordinaire de sélection qui va nous mener au gala Force à venir. Je voudrais féliciter tous ces jeunes-là, ces centaines de jeunes qui vont se présenter ici dans les entrevues, puis qui vont se faire valoir, qui vont nous démontrer à quel point ils sont beaux, à quel point ils sont engagés. Des jeunes conscients, des jeunes responsables, des jeunes enracinés dans leur collectivité, ouverts sur le monde. Alors, à vous autres, à vous, je voudrais vous dire que vous êtes, pour nous, Force à venir, des modèles extraordinaires. D'abord, on est content de vous reconnaître pour ce que vous faites, pour ce que vous dites, pour ce que vous accomplissez. Mais sachez aussi qu'à l'antenne, il y a des gens qui vous écoutent, puis vous les influencez. Puis l'influence que vous avez sur eux va modifier un tant soit peu leur comportement. Eux autres aussi vont prendre conscience, tout comme vous, de plusieurs choses dans la société. Puis ils vont passer à l'action. Ils vont vouloir faire leur marque, exactement comme vous l'êtes, vous, les jeunes. Alors sur ce, je vous souhaite un très bon visionnement. Désolé. Donc, la cuisine d'Armand, c'est quoi? C'est entre 30 à 5, c'est de 30 à 55 élèves, tout dépendant des années, de la formation préparatoire au travail. Donc, soit le volet parcours adapté ou le volet troubles du spectre de l'autisme. Donc, c'est juste pour vous situer un petit peu là, au niveau de notre clientèle. Donc, on a une petite vidéo qui dure environ 3 minutes qui fait vraiment un beau résumé là, de c'est quoi notre projet. Bon, évidemment. Louis-Philippe, on ne voit pas la vidéo. Vous la voyez pas? Non, malheureusement. Bon. Louis-Philippe, est-ce que c'est possible de faire la présentation sans la vidéo? Ben oui, là, en fait, nous tentons juste de revenir au Zoom comme tel. Là. Vous avez fermé votre micro.
Non, vas-y. OK. Dans le fond, la vidéo vous présentait un petit peu la cuisine d'Armand, nos élèves, là, comme Louis-Philippe disait, là, en 30 et 55 élèves. On a aménagé un plateau de travail parce que nos élèves, on a une formation préparatoire au travail. Et c'est sur 3 ans et on se rendait compte avec plusieurs problématiques que nos élèves n'arrivaient pas à sortir en stage externe. Donc, elle a besoin de plus de temps, plus de modeling avec les jeunes. Donc, on a fait des plateaux de travail à même l'école, donc un plateau de cuisine. Et puis, on est allé chercher différents partenaires pour leur montrer différentes tâches que quand ils se servent pour sortir en cuisine. On a plusieurs réussites qu'on a eues avec nos élèves, les élèves qui n'arrivaient pas à sortir, que ça faisait 3 ans qu'ils faisaient l'an 1. Donc, l'an 1 était vraiment des tâches à l'école pour les préparer, puis on n'arrivait pas à aller plus loin. Donc, on a Myriam, entre autres, qui a passé 3 ans à l'an 1. On l'a emmenée à la cuisine d'Armand. Et puis, cette année, depuis le mois de novembre environ, maintenant, elle est en stage une journée semaine. Et puis, début avril, elle a commencé à faire un stage à 2 jours semaine. Donc, on peut considérer qu'elle est maintenant rendue à l'an 2, après 4 ans avec nous. Donc, on est très fiers d'elle. On en a plusieurs comme ça, là, qui ont réussi à sortir puis avoir un avenir un petit peu avec des stages. Donc, pour poursuivre un petit peu, l'idée, comme disait Christiane, c'était de vraiment morceler un peu les apprentissages, parce que la formation préparatoire au travail, en général, c'est un programme de 3 ans qui s'effectue sur 3 ans. Par contre, nous, nos élèves ont des difficultés en général qui sont beaucoup plus grandes que les élèves qui sont dans ces programmes-là habituellement. Donc, certains de nos élèves peuvent être scolarisés jusqu'à 21 ans, entre autres les élèves TSA. Donc, peuvent être scolarisés jusqu'à 21 ans, peuvent rentrer dans notre programme à l'âge de 15 ans. Donc, ça nous fait un 6 ans de parcours. Comme Christiane disait, dans le fond, la marche entre... Parce qu'en fait, habituellement, c'est l'an... Pardon? Il reste 1 minute à la présentation. OK. Donc, à l'an 1, c'est des stages, c'est des plateaux et à l'an 2 qui vont à l'externe. Et la marche est trop haute pour nos élèves. Donc, on a décidé de faire le plateau de stage pour, si on veut, faire une étape intermédiaire entre le stage externe et la première année. Donc, ça, c'est un volet de la cuisine d'Armand. Cette année, on a aussi cuisiné avec des élèves du programme d'enseignement intermédiaire. Donc, on a cuisiné des boîtes repas pour l'Étoile pédiatrie sociale en communauté du Haut-Richelieu, donc qui est un organisme qui vient en aide là, aux enfants vraiment vulnérables de la région du Haut-Richelieu. C'est un peu sous le même principe que la clinique du Dr Julien à Montréal. Donc, avec des chefs de la région, on a cuisiné des boîtes repas qu'on a vendues au profit de cet organisme-là. Donc, l'objectif étant vraiment de faire découvrir la cuisine, mais également d'amener les élèves là, à s'impliquer dans leur communauté. Merci. Est-ce qu'il nous reste un petit peu de temps ou? Non, ben je venais d'arrêter le temps pour le 5 minutes. Ah. Donc, on tombe à la période de questions de 10 minutes. Donc, je vais laisser la parole à mes collègues. Monsieur Gosselin, allez-y. Bien, d'abord, félicitations pour le beau projet. Je pense que les répercussions semblent assez importantes. Puis c'est là que je voulais en venir aussi. Là, je crois que c'est la première année, c'est ça? Ouais. Bien, on a commencé l'an dernier, disons, décembre, là, à mettre en place les choses, mais c'est vraiment la vraie première année. C'est la première année officielle. OK. Puis où vous désirez amener le projet? Qu'est-ce que vous voulez avoir à la fin comme impact et comme ampleur sur le projet? En fait, je vous dirais, je suis content de vous poser la question parce que ça faisait partie de notre présentation puis on n'avait pas eu le temps. Il y a plein de choses, mais il n'y a rien que fonctionne. Donc, où qu'on veut l'amener, c'est sûr que, par exemple, un projet comme les boîtes repas qui a vraiment fonctionné, comme je dis, on a cuisiné 50 boîtes, il nous en reste une à vendre, donc on en a vendu 49. On a quand même un don là, de, c'est encore en calcul, mais disons en haut de 4 000 qu'on a donné à la fondation. C'est sûr qu'un projet comme ça, on veut que ça revienne. C'est sûr également qu'on a des partenariats avec des entreprises qui s'ajoutent
Donc, on a, parce que là, en fait, la cuisine d'Armand, elle touche à beaucoup de choses. On fait entre autres des recettes en pot qui sont des recettes préparées en pot maçon. Donc, ça a été un peu notre projet de base. Mais on fait également de la transformation. On prépare du prêt à manger pour une épicerie de Montréal. Donc, ça, c'est ce qu'on fait présentement. Où qu'on veut l'emmener, nous, dans le fond, ce qu'on aimerait. Ce qui est dans nos plans, c'est entre autres de faire venir des élèves d'autres écoles qui dans des secteurs similaires aux nôtres, mais qui n'ont pas nécessairement les infrastructures que nous on a. Donc de les faire venir sur nos plateaux de travail pour qu'ils puissent bénéficier un peu là de notre plateau. Ce qu'on aimerait faire, on aimerait. Oui, d'ailleurs, des élèves qui viennent déjà de d'autres secteurs, de d'autres écoles à venir. On a déjà un élève qui vient faire des stages ici. Donc, on aimerait ça l'ouvrir à tout le centre de service aussi éventuellement. Là. On aimerait également. Là, dans le fond, ça, c'est dans nos plans. Ce qu'on aimerait, on aimerait ouvrir une boutique de prêt-à-manger, donc qui aurait nos produits, qui pourrait vendre nos produits qu'on fait ici. J'aimerais ça partir un projet de pop-up roulante, donc pour encore une fois impliquer pas seulement nos élèves, parce que le but de la cuisine d'Armand, ça a commencé avec nos élèves de la formation préparatoire au travail, mais on veut vraiment l'emmener que ce soit un plateau qui soit utilisé par toute l'école à différents niveaux. Donc, comme je dis, atelier de pop-up roulante, ou même j'aimerais ça éventuellement aussi offrir à tous les élèves de l'école qui sont intéressés, des ateliers culinaires. Donc, vraiment dans le but de leur faire découvrir la cuisine, qui est un peu un pan qui est de moins en moins peut-être enseigné à la maison. Donc, on pense quand même que c'est important aussi. Donc, c'est tous des plans qu'on a, qu'on voudrait développer, qui, dans le fond, là, les prochaines années vont nous dire là, qu'est-ce qu'on va pouvoir développer ou non, mais c'est des plans qu'on a présentement. Parfait, merci. Merci, M. Gosselin, pour votre question. Donc, je vais passer la parole à ma collègue, Mme Tan. Même si on n'a pas eu le temps d'apprécier toute la présentation, je peux quand même vous assurer qu'on a très bien lu le dossier. Moi, ce que je me suis rappelé, c'est le rendement, les 500 morceaux par semaine, les boîtes de Noël, les repas pour les gens dans le besoin. Je trouvais que c'est un projet qui a été poussé à un très haut niveau, puis c'est vraiment le fun. Vraiment, merci beaucoup, félicitations. Ce que j'aimerais apprécier dans ma prochaine question, c'est vraiment savoir... Les élèves ont participé, mais ont probablement aussi eu l'occasion de peut-être prendre des décisions, prendre des choix avec vous. Est-ce que vous avez eu des moments comme ça que vous pouvez partager avec moi, juste pour que j'apprécie vraiment l'implication qu'ils ont eue à travers tout ce processus-là? Mais dans le fond, nous, on partait d'une entreprise, on était à même l'école, on n'avait pas nécessairement d'expérience dans l'entreprise, mais dès le départ... Donc, on a fait affaire avec un graphiste pour trouver le logo. Mais en même temps, on a impliqué les élèves. Les élèves ont fait des croquis, savoir comme quel logo choisir. Ils ont été impliqués dès le départ. On a fait aussi les tests parce que la cuisine d'Armand est partie avec une recette familiale de fondue parmesan. Donc, eux, ils ont participé aussi quand on a goûté les produits. On a plusieurs variétés. Maintenant, on en a 5, là, mais... Au départ, on ne savait pas si on prenait un fromage fumé ou un fromage de base. Puis les élèves participaient à ça aussi, là, donc... Ça, c'est fantastique. C'est sûr qu'au niveau, il s'implique un peu aussi au niveau, parce qu'en fait, on essaie de faire des parallèles avec certaines matières académiques. Donc, par exemple, moi, j'enseigne les mathématiques également. Donc, on va les emmener, disons, faire l'inventaire. Donc, regarder qu'est-ce qu'on a en stock, qu'est-ce qui nous reste, parce qu'il faut quand même se mettre dans le... Tu sais, au niveau de la clientèle, c'est quand même une clientèle qui a de très, très gros retards. Donc, c'est sûr qu'au niveau décisionnel, il y a une portion qui, malheureusement, on peut, tu sais, même avec tout le bon vouloir, on pourrait pas nécessairement les intégrer parce que, c'est comme je sais pas, tu sais, juste, j'aimerais juste vous faire un exemple pour que vous saisissiez c'est qui la clientèle. Donc, on parle d'élèves qui ont entre 15 et 21 ans, mais par exemple, au niveau académique, peuvent faire la première, de la deuxième année. Là. Donc, c'est sûr que, dans le fond, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de les impliquer le plus possible à différents niveaux. Entre autres, comme je vous dis, en faisant des liens avec les matières académiques.
Non, tout à fait. Puis c'est super pertinent de donner l'opportunité, comme je dirais. Mais dès le départ, là, la première année, on a fait faire des casquettes avec le logo, des vestes de chef. Puis on voit que les élèves le portent fièrement. Hein. Dans les pauses, même, ils se promènent avec leur casquette de la cuisine. Fait qu'on voit qu'il y a un sentiment d'appartenance. C'est parfait. Merveilleux. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Mme Tan. Donc, je passerai la parole à Mme Gabois. Oui, bien, merci à vous deux. Bravo pour votre dévouement. C'est vraiment beau de voir le travail que vous faites. C'est sûr que ça a un effet sur non seulement le parcours scolaire de ces élèves-là, mais leur parcours de vie. Donc, vraiment, je vous remercie. Je vous fais une parenthèse de vie pour vous dire que moi, je suis enseignante au préscolaire 4 ans avec des élèves autistes. Puis, c'est vraiment beau de voir qu'il y a des projets comme ceux qui existent pour les futurs, pour vos élèves, qui, les élèves qu'on voit en ce moment, puis qu'on voit que le parcours de vie sera différent, mais vous en faites quelque chose de vraiment beau. Donc, merci beaucoup. Je ne sais pas si vos élèves sont verbaux ou non-verbaux, mais s'ils avaient été là, je vais vous demander d'être leur porteur de voix. Est-ce qu'ils sont en mesure de vous nommer qu'est-ce qu'ils aiment faire là-dedans? Est-ce qu'ils vous ont déjà dit qu'est-ce que ça leur apporte, ne serait-ce que dans leur non-dit, là, pour les élèves, si les élèves sont non-verbaux? Est-ce que je te laisse répondre? Ben oui, ben dans le fond, dans la petite vidéo, on avait justement des témoignages de nos élèves qui disaient aussi que pourquoi ils étaient fiers et ensuite, dont une, la petite Daphné, qui dit qu'elle est super fière parce qu'elle va au magasin puis elle voit nos pots. Puis elle dit qu'elle a vu un monsieur acheter notre pot, puis elle dit c'est moi qui l'ai fait. T'sais. Fait que oui, ils verbalisent. La plupart de nos élèves sont verbaux, donc on peut. C'est visible, ils nous en parlent, puis c'est concret là. Il y avait Jérémy aussi dans la vidéo qu'on voyait. Lui, dans le fond, il est parti cette année, en début d'année, en stage chez AIW. Justement, il nommait un petit peu ce qu'il avait appris à la cuisine d'Armand l'année passée. C'était des tâches terre à terre, qu'apprendre à couper des légumes, qu'apprendre, comme je vous disais tantôt, à faire un inventaire, apprendre à faire la rotation des dates dans les produits. Donc, comme je vous dis, dans le fond, ces choses-là, ils aiment ça parce qu'ils sentent, en voyant surtout les plus vieux puis ceux qui s'en vont, qui sont prêts à aller en stage, mais ils sont capables de voir que, dans le fond, ce qu'on apprend, ce qu'on leur montre, mais ça peut leur servir dans un cadre de stage et éventuellement un cadre professionnel. Puis ça, je pense qu'ils sont capables de le voir là, également. C'est concret parce que comme Jérémy, là, on lui propose de travailler la fin de semaine chez IW, donc c'est vraiment concret. Fait qu'il est parti d'avec nous puis on ne pensait pas qu'il y ait un stage pour vrai. Jérémy partait de loin, puis cette année, ben, ils trouvent bon, puis ils vont l'engager là, les fins de semaine. Fait que, tu sais, En fait, ce qu'on fait, nous, c'est juste de. C'est ce que les employeurs, pas parce qu'ils n'ont pas envie de le faire, mais souvent, ils n'ont pas le temps, c'est que nous. Il reste une minute à la période de questions. Parfait. C'est qu'on prend du temps, on fait des répétitions, on répète, on renomme, on redit de façon différente. Comme je vous dis, c'est que les employeurs, eux autres, ils sont pris avec leurs problèmes de main-d'œuvre et qu'ils n'ont pas le temps de le faire. Fait que c'est nous, dans le fond, c'est juste que c'est nos élèves. Ils ont besoin d'un petit peu plus de temps. Puis nous, on prend ce temps-là à la cuisine pour effectuer ces répétitions-là dont ils ont besoin pour éventuellement accéder à ça. Puis on voit aussi qu'en stage, au lieu d'avoir des échecs, parce qu'à force d'avoir, s'ils ne sont pas bien formés, ben on change. On voyait beaucoup ça, la rotation des stages, parce qu'on accumule les échecs, fait que ça aide beaucoup aux élèves pour l'estime aussi d'eux autres mêmes. Merci beaucoup pour la réponse. Donc, il resterait 5 secondes. Donc, M. Vanier, malheureusement, je ne pourrais pas vous donner droit de parole cette fois-ci. Félicitations pour votre projet. Merci beaucoup. Écoute. Louis-Philippe, si jamais Christine. Vous avez envie de voir la vidéo, on peut quand même vous le transmettre plus tard, là, si jamais ça vous intéresse. Là, on voit vraiment deux de nos élèves en action, puis dans la majorité de nos élèves dans nos installations aussi. Assurément, vous la ferez parvenir à ma collègue pour qu'on puisse partager ça à mes collègues jury. Excellent. Donc, Louis-Philippe, Christine, merci infiniment pour votre magnifique présentation. Présent.
présente dans les universités, les cégeps et les écoles secondaires du Québec, Force Avenir vise à reconnaître, à honorer et à promouvoir l'engagement étudiant dans des projets qui contribuent à la formation de citoyens conscients, responsables, actifs et persévérants, à la fois enracinés dans leur collectivité et ouverts sur le monde. Force Avenir pense que chaque être humain a le droit de vivre dans une société qui réunit les conditions favorables à son épanouissement. Devant cette mission et cette responsabilité qui incombe à tout un chacun, Force Avenir s'engage à poser un geste responsable et porteur de toutes les possibilités. Notre vie peut prendre un sens à travers l'engagement. On peut aller aussi loin qu'on veut, puis souvent on dépasse même nos propres attentes. Force Avenir a choisi de cibler la jeunesse et de faire connaître des exemples qui parlent, qui sont en mesure d'inspirer les gens et qui illustrent des avenues pouvant être empruntées pour que la société et son système d'éducation répondent mieux à leur mission, soit celle de former des citoyens épanouis, responsables et engagés. Quand on s'engage pour quelque chose, ça te permet un peu d'allumer d'autres personnes. Tu commences à trouver du sens là-dedans, c'est-à-dire, dans ma vie, ce combat-là, j'ai envie d'avoir au moins essayé de faire tout ce que je pouvais. La catégorie « Projet engagé » reconnaît un élève ou un groupe d'élèves du secondaire se distinguant par la réalisation d'un projet lié à l'un ou l'autre des domaines suivants. Arts, lettres et culture, entraide, paix et justice, entrepreneuriat, affaires et économie sociale, environnement, santé et saines habitudes de vie, sciences et technologies, société, communication et éducation. Ce projet se distingue par ses retombées concrètes, son influence positive sur le milieu et sa capacité à stimuler l'engagement.
catégorie « Projet engagé » reconnaît un élève ou un groupe d'élèves du secondaire se distinguant par la réalisation d'un projet lié à l'un ou l'autre des domaines suivants. Arts, lettres et culture, entraide, paix et justice, entrepreneuriat, affaires et économie sociale, environnement, santé et saines habitudes de vie, sciences et technologies, société, communication et éducation. Ce projet se distingue par ses retombées concrètes, son influence positive sur le milieu et sa capacité à stimuler l'engagement. La catégorie « Projet engagé » reconnaît un élève ou un groupe d'élèves du secondaire se distinguant par la réalisation d'un projet lié à l'un ou l'autre des domaines suivants. Arts, lettres et culture, entraide, paix et justice, entrepreneuriat, affaires et économie sociale, environnement, santé et saines habitudes de vie, sciences et technologies, société, communication et éducation. Ce projet se distingue par ses retombées concrètes, son influence positive sur le milieu et sa capacité à stimuler l'engagement. Tu peux commencer, Lily Rose. OK, donc je me présente, c'est ça, Lily Rose Vaillancourt. Donc, dans le fond, je vais vous parler de Singulièrement féminin, qui est la pièce de théâtre que j'ai faite l'année passée avec ma concentration art dramatique. Donc, dans le fond, Singulièrement féminin, c'était un collage féministe. Donc, c'était une pièce qui parlait de la place de la femme dans la société. Donc, c'était ça, globalement.
Puis notre but, c'était vraiment de conscientiser sur la femme, puis de faire réfléchir et ultimement essayer de changer les choses. Donc, on voulait vraiment pas que ce soit un message qui a l'air trop moralisateur, trop harsh. On voulait vraiment, c'est ça, juste faire réfléchir, puis essayer potentiellement de mobiliser. Donc, voilà. Puis la pièce, globalement, s'adressait à un portrait de la femme tout au long de sa vie. Donc, de l'enfance jusqu'à la vieillesse. Puis on a fait ça de par des monologues, des faits vécus aussi. Donc, c'était beaucoup notre propre parole qui transparaissait dans la pièce. Parce que c'est ça, tout au long de la création, on avait beaucoup, beaucoup de discussions. Des fois, on passait des périodes entières à parler de nos expériences. Nos expériences, c'est ça, d'harcèlement de rue, des fois, de commentaires, des fois un peu mal placés de proches. Donc, c'est ça qui a beaucoup, beaucoup nourri la pièce. Et puis, c'est ça. Sinon, il y avait aussi une partie de la pièce où on passait en revue la place de la femme au théâtre. Donc, on partait du tout début du théâtre, donc avec les tragédies grecques comme Antigone, puis Électre, puis jusqu'au théâtre classique avec Les Belles-Sœurs de Michel Tremblay, par exemple. Puis sinon, il y a eu une prestation musicale, puis une prestation de danse aussi dans notre pièce de théâtre. Donc, il y a eu beaucoup, c'est ça, de recherche de musique. Et on trouvait que la plupart des chansons ne représentaient pas la femme d'une façon positive. Donc, on s'est dit, qui mieux que nous-mêmes pour créer une chanson. Donc, on a une actrice qui a composé une chanson qui a été chantée à la fin de notre pièce. On a aussi une chorégraphie de danse qui mettait vraiment la femme en valeur dans ses mouvements et tout. Sinon, on a eu un hommage aux femmes importantes dans nos vies. Donc, les actrices prenaient la parole, puis parlaient à leur mère, à leur grand-mère, à leur sœur, à des professeurs. Donc, ça a été un moment super touchant de la pièce. Sinon, on a aussi eu une lettre à la fille de demain. Donc, chaque actrice transmettait des vœux pour la fille qui est à naître prochainement. Donc, voilà. La pièce a été faite dans un moment où, c'est ça, ça faisait un an qu'on n'était pas monté sur scène. Donc, on avait tous super hâte de réciter des textes puis d'être sur scène. Donc, c'est ça qui nous a beaucoup, beaucoup motivés à faire cette pièce-là. Puis aussi, la partie un peu moins drôle, c'est ça qu'on a fait cette pièce-là, c'est juste après la grosse vague de dénonciation d'agression au Québec. Donc, c'est ça. Puis aussi, la période de quarantaine où il y avait eu plusieurs féminicides. Donc, toute cette accumulation de moments difficiles, ça nous a vraiment donné le pouvoir, puis donné envie de prendre parole, puis de dénoncer ces situations complètement atroces. Donc, c'est ça. Puis, on a commencé, dans le fond, la création de la pièce par la recherche d'un monologue. Donc, chaque actrice... Lily Rose, il reste une minute. Chaque actrice a trouvé, c'est ça, un monologue qui parlait de la place de la femme. On a trouvé des textes comme des textes de Simone de Beauvoir, de Virginia Woolf, de David Goudreau aussi, qui était super intéressant parce que ça montrait la perspective du féministe, mais de la perspective d'un homme. Donc, c'était super, super cool. Sinon, dans la pièce aussi, on a eu un moment, un hommage aux femmes disparues et assassinées. Donc, ça a été un moment fort de la pièce parce que c'était super touchant. Sinon, c'est ça, on a dressé comme le portrait de toutes les étapes de la vie d'une femme. Donc, de la jeunesse où, tu sais, c'est ça, on se fait déjà imposer des stéréotypes quand on est tout jeune jusqu'à la vieillesse où, c'est ça, on parle pas tant de la femme âgée, mais elle aussi, elle a des problèmes, elle a, c'est ça. Merci beaucoup, Lily Rose. Exactement. Donc, ça fait le tour de la présentation. On va passer à la période de questions là, de la part des jurys. Donc, M. Vanier, à votre tour.
D'abord, félicitations, super projet, puis évidemment, vraiment d'actualité. Moi, j'aimerais savoir, là, tout d'abord, ce projet-là, est-ce qu'il fait partie du cursus scolaire, puis disons, c'est quoi votre implication également, autant à l'école qu'à l'extérieur des heures de cours pour ce projet-là? Non, c'est ça. Ben, en quatrième secondaire, habituellement, on est supposé faire une pièce de théâtre classique, mais cette année-là, toutes les actrices et l'acteur, parce que ce sont des 15 filles puis un garçon, il y avait vraiment le goût de se donner encore plus, puis c'était vraiment justement un sujet qui me tenait à cœur, donc on a passé vraiment plus de temps, puis on s'est encore plus engagé pour cette pièce de théâtre-là. Donc, voilà. Merci. Merci beaucoup, M. Vanier, pour la question. À votre tour, M. Gosselin. Félicitations d'abord pour votre beau projet. C'est vraiment grandiose. Si je comprends bien, en fait, c'est de base, vous, les élèves, qui avez pensé à ce projet-là et de le bâtir de cette façon-là, c'est bien ça? Oui, exactement. Ouais. OK. Puis combien de... Est-ce que c'est simplement dans le cursus scolaire ou vous avez également fait beaucoup, j'imagine, de temps à l'extérieur? Est-ce que comment vous avez vendu votre projet aussi au Théâtre Outremont et autres? Comment ça se passe? Ben c'est ça, on a passé vraiment plus que juste le temps qui est accordé après l'école. Là, on venait les journées pédagogiques, la fin de semaine aussi, certains jours. Et puis, avec le Théâtre Outremont, dans le fond, il y avait notre professeur de théâtre a invité une de ses amies qui est en études féministes. Et puis, la pièce de théâtre l'a vraiment touchée, puis marquée. Puis c'est ça, elle nous a dit qu'elle verrait la pièce s'expandre plus loin que juste l'auditorium de notre école. Donc, on a fait des démarches, puis le Théâtre Outremont nous a accueillis à bras ouverts. Là. Il voulait vraiment que ce message ait plus loin. Donc, voilà. Merci beaucoup, M. Gosselin, pour la question. Donc, c'est à votre tour, Mme Tan. Moi, j'aime beaucoup ce projet-là dans le sens à ce que c'est pertinent, ça permet de s'exprimer. Et puis, à la fin, tu sais, j'aime bien quand vous dites qu'on ne va pas attaquer ça d'une manière moralisateur. Tu sais, veux pas, on veut s'exprimer, puis peut-être un message d'espoir à la fin s'il y a lieu. Ma question pour vous, c'est quoi la prochaine étape de ce projet-là, selon vous? Ben moi, j'aimerais vraiment que, justement, c'est ça, ça aille encore plus loin, là, qu'on puisse potentiellement le présenter ailleurs que juste à l'auditorium. Parce que c'est ça, finalement, au Théâtre Outremont, ça n'a pas fonctionné à cause de la quarantaine, de la COVID et tout. Donc, mais c'est ça, c'était tellement une pièce bien ficelée, puis tellement powerful que c'est ça, je voudrais qu'il y ait le plus de monde qui le voit possible. C'est ça, présentement, elle est en vidéo, mais c'est ça, j'aimerais vraiment qu'elle soit représentée potentiellement une tournée, ce serait vraiment le fun. Donc, un rêve. Est-ce qu'elle est disponible en format numérique, par exemple sur un site ou... Oui, je crois que oui, là, sur YouTube, je pense. Mais oui, mais je pense que c'est plus un lien. Donc, je pense pas que c'est vraiment ouvert au public en entier, mais je pense que ce serait pertinent. Ça sera pas le même effet, je pense. Mais oui, on aimerait que ça aille plus loin que YouTube, c'est ça. Merci beaucoup, Mme Tan. Donc, à votre tour, Mme Gabois. Merci, Lily-Rose. C'est beau de voir ton enthousiasme face au beau projet auquel tu as contribué. Au départ, tu as dit que c'était important pour vous de conscientiser dans votre milieu puis que vous aviez une volonté de faire changer les choses face à toute la grande thématique féministe. J'aimerais savoir, c'est quoi les effets que vous avez perçus ou les discussions que ça a amené? C'est quoi les effets plus larges là, que ça aura eu après dans votre milieu? Ben déjà, c'est ça, il y a eu juste des représentations auprès des parents parce que c'est ça, c'était encore la période COVID, on n'a pas pu le représenter à notre école. Mais du côté des parents, j'ai vraiment senti une grande prise de conscience, surtout auprès des pères qui m'a vraiment beaucoup touchée. Même s'il n'y avait rien à se reprocher, il y a beaucoup de pères qui ont été très, très touchés, puis qui... Ça a amené à se poser des questions. Puis, je pense que c'était vraiment beau à voir là, leur petite fille défendre des causes aussi grandes, puis aussi
importante avec autant de... Je ne sais pas comment dire. De vigueur. Exactement, avec tout leur cœur. Ouais. Donc, oui, c'est ça. J'ai surtout senti l'impact auprès des parents. Une fierté. Oui, exactement. Ouais. Merci, Lily-Rose. Ben écoutez, il reste une quarantaine de secondes pour la période de questions. On va terminer, à moins qu'il y ait une autre petite question rapide des jurys. Mais écoute, Lily-Rose, merci infiniment pour ta magnifique présentation. Écoute, pour aussi la magnifique pièce de théâtre derrière toi. On aurait aimé la voir en personne. Écoute, encore une fois, félicitations, puis bonne continuité pour la suite. Connaissez-vous le programme PONT de Force Avenir? Par ce programme, Force Avenir vise à reconnaître l'engagement et la persévérance comme des vecteurs de réussite pour notre société, ainsi qu'à valoriser et à favoriser la poursuite des études supérieures. Le programme PONT permet de créer un fil conducteur dans le système d'éducation entre les niveaux secondaires et universitaires. Dans sa forme actuelle, le programme octroie annuellement 58 bourses d'études universitaires d'une valeur de 10 000 $ pour un programme de premier cycle à des élèves du secondaire ayant été reconnus dans le cadre du programme Force Avenir pour des comportements d'engagement et de persévérance. D'ici 2025, le programme PONT aura remis 448 bourses universitaires pour une valeur totale de 4,48 millions de $. À terme, la vision du programme est de remettre 2 bourses par école participante. Ce programme, d'une valeur de 580 000 $ par année, est actuellement réalisé avec la participation de l'Université Concordia, l'Université de Montréal, l'Université Laval, l'Université du Québec à Rimouski, l'Université du Québec à Chicoutimi et l'Université du Québec en Outaouais. Au-delà d'inciter et d'encourager un plus grand nombre de jeunes à poursuivre des études supérieures, le programme permettra de dynamiser le milieu de vie des universités en accueillant des apprenants qui auront une influence positive sur l'engagement et la persévérance de la communauté étudiante, ce qui contribue à faire des universités des milieux de vie où les jeunes s'épanouissent et atteignent leur plein potentiel. Pour moi, d'abord, la jeunesse, c'est notre avenir. Si on n'a pas des rêves à 20 ans, c'est souvent plus difficile d'en avoir lorsqu'on est un peu plus assis, lorsqu'on a atteint un certain confort. La jeunesse a beaucoup d'audace, à mon point de vue, et malgré tout ce qu'on en dit, a beaucoup de projets en tête, beaucoup d'idées. Et si on peut les aider à faire jaillir ces idées-là, à les faire se réaliser, c'est formidable. Force Avenir, à mon point de vue, est un éveilleur d'idées et de rêves et une organisation qui permet d'identifier des leaders qui sont porteurs de ces rêves-là et de ces projets pour nos sociétés. Je crois que ce qui est formidable dans le projet de Force Avenir, c'est la mobilisation de toutes les ressources, autant l'enseignante, l'enseignant, le professeur, que le personnel de soutien, que le personnel professionnel. Avez-vous pensé qu'ils ont la responsabilité de l'avenir? C'est ça, un enseignant. C'est un passeur, hein? C'est quelqu'un qui transmet. Et on ne leur dit pas suffisamment souvent comment leur rôle est important. On ne le reconnaît pas suffisamment non plus dans nos institutions. Et par Force Avenir, c'est un beau message qu'on leur envoie. On leur dit merci d'être là pour les jeunes qui ont besoin de votre appui et de votre accompagnement.
OK. Ben, bonjour. Vous savez que je m'appelle Sarah. Je suis en secondaire 2 à l'école Bermarket. Je suis un peu stressée aujourd'hui de vous parler parce que c'est nouveau pour moi. J'ai jamais vraiment vécu ce genre d'expérience-là. Mais je suis quand même fière de venir parler de mon projet. Je suis fière d'être là aujourd'hui devant vous pour en parler parce que ça me tient vraiment à cœur. Fait que, ben, je vais commencer par dire que moi, je suis une personne un peu différente, si on peut dire ça comme ça. Je me suis toujours sentie différente, en tout cas. Puis, c'était quand même une difficulté pour moi avant. Ce que je veux dire, c'est que, genre, à tous les jours, je devais vivre avec ma différence. C'était quand même assez difficile. J'en ai parlé avec mes proches autour de moi. Puis, c'est comme ça que c'est venu l'idée des outsiders. Et en fait, en parlant avec ma mère, qu'on a eu cette idée-là, c'est juste, en fait, on s'est dit, mais pourquoi je devrais cacher ma différence, tu sais? Pourquoi ne pas, à la place, en être fière puis le montrer aux autres, tu sais? Oui, je suis différente puis je suis fière de ça. Puis, fait que c'est pour ça qu'on a créé un groupe pour qu'on soit plusieurs à mettre en avant cette différence-là. T'sais, on est fiers d'être unique, puis on n'a pas besoin de le cacher, on n'a pas besoin de se conformer aux autres, puis essayer d'être pareil que les autres, puisque dans le fond, ça ne sert à rien. Fait que c'est surtout pour ça que l'idée du comité est née. C'est pas mal ça. Ensuite, ben, je suis une personne quand même engagée, assez active. Comme toutes les ados, ça m'arrive de rester sur Netflix dans ma chambre. Mais je suis assez active dans le sens que je suis engagée dans mon école. J'ai commencé à donner des cours de jiu-jitsu brésilien avec ma mère à des élèves du primaire. Je fais du basket. Je fais d'autres sports aussi, le kickboxing, le jiu-jitsu brésilien. Donc, c'est pas mal ça. Je pense que je me suis pas mal bien présentée. Donc, Sarah, ben écoute, félicitations. Je vais passer dans le bord à la période de questions si tu as terminé. Donc, je vois que les mains se sont levées assez rapidement. Donc, je vais donner la parole à Mme Tan. Je te rassure, le nombre d'heures, moi, que je passe sur Netflix. Bon. Écoute, j'aurais aimé ça avoir... J'ai lu ton dossier à travers les autres aussi, puis je me suis dit, ah, ça serait le fun d'avoir ce groupe-là à l'époque où j'étais au secondaire, parce que le petit sentiment qu'on fit et qu'on devrait, mais on n'est pas vraiment, puis pourquoi en avoir honte, pourquoi le cacher, je le comprends, puis je suis contente que tu décides de penser autrement, tu sais, pour pas dire, non, tu sais quoi, je vais suivre comme les autres, non. Prends ce que t'es, puis on est comme on dit. Moi, ce qui m'intéresse à savoir, c'est j'ai l'impression que t'as organisé un safe space, comme on dirait, un endroit où est-ce qu'on peut être soi-même. Puis j'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe dans cet endroit-là quand les gens y viennent. Ben en fait, c'est assez simple. On a créé un bocal. Ça s'appelle l'anti-bocal parce que on rentre pas dans un bocal. On est trop comme. Ça s'appelle l'anti-bocal. Il y a plein de sujets de conversation dedans. Peu importe. Tout le monde peut écrire sur un papier des sujets de conversation. On le met dans l'anti-bocal. Puis à chaque jour, on pige un sujet. Puis on parle de ça. Puis si on ne veut pas parler de ça ce jour-là, ben, on en pige un autre. T'sais, il n'y a vraiment pas de stress. Puis on a aussi l'acti-bocal. C'est un autre bocal. Et dedans, il y a la même affaire des papiers. Tout le monde peut écrire dessus, sauf que c'est des activités. As-tu un exemple de sujet ou d'activité? Rien que pour le fun, c'est quoi que vous avez parlé la semaine passée? Ouais, ben, on en a des plus lourds comme des plus légers. Comme l'autre fois, on a parlé, c'était la lampe du génie. Fait que tu devais faire 3 vœux. Puis, ouais. Puis, il y en a des plus lourds comme les standards de beauté imposés par la société. C'est ça. Puis dans l'acte bocal aussi, il y en a d'autres. Comme l'autre fois, on parlait manger une crème glacée à la crèmerie à côté de l'école. Puis il y en a d'autres aussi. Là. Super, merci. De rien. Merci beaucoup, Mme Tan. Donc, je passerai la parole à M. Vanier. Oui, félicitations, Sarah, pour ton implication. C'est vraiment magnifique de voir que
que tu as pris une problématique que tu vivais, puis tu as aidé aussi d'autres personnes dans ton école à passer au travers des moments plus difficiles aussi. Moi, j'aimerais savoir, il y a combien de personnes qui participent à vos événements de façon régulière, puis peut-être savoir un petit peu plus sur c'est quoi les répercussions selon toi sur les gens qui sont autour de toi. On est à peu près 10 à 15 dans le comité pour l'instant. Puis, dans le fond, les répercussions que ça a, je dirais que c'est difficile à quantifier, si je peux dire ça. C'est difficile à observer parce que c'est plus des répercussions humaines, genre sur le mental, sur les émotions. Mais je l'ai remarqué, les gens, quand ils viennent, ils me disent comme « Ah, tu sais, c'est cool ». Je me sens bien ici. Les gens, ils s'ouvrent dans ce comité-là. Il y en a qui disent « Hey, d'habitude, je ne m'ouvre pas comme ça. » Puis, ils se sentent à l'aise. Mais ça ne fait pas tellement longtemps que c'est parti encore. Fait qu'on ne peut pas vraiment observer de grosses répercussions. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est en train de faire une différence. Puis, si ça continue de grandir comme ça, je pense que ça va en faire une vraie. Merci, puis bravo. Merci. Merci beaucoup, M. Vanier. Est-ce qu'on a une autre question? Oui, je peux y aller. Oui, bien sûr, Annie Bois. C'est bon. Merci, Sarah. Bravo pour cette belle initiative. À la lecture du dossier, j'avais été particulièrement touchée de voir, comme Arnaud le disait, que tu as pris une problématique personnelle puis que tu en as fait un beau projet. J'aimerais savoir s'il y avait des jeunes d'un autre milieu qui entendaient parler de ton projet puis qui avaient envie de s'investir ou de créer un comité comme tu le fais. Ça serait quoi, mettons, tes premiers conseils concernant la démarche de construction? Est-ce que tu t'es allié de professeurs? Comment tu as fait pour trouver les locaux? C'est tout ce qui est pratico-pratique, là, dans le fond, dans la fondation de ce projet-là. Dans le fond, le premier truc que je conseille, en fait, c'est de vraiment trouver une personne avec laquelle tu vas t'allier, comme un adulte, parce que c'est plus facile comme ça, parce que sinon, on est des ados, on n'a pas nécessairement accès à tout, exemple, les locaux. Fait que c'est vraiment plus facile quand on s'allie avec quelqu'un du comité, peu importe, que ce soit genre un professeur, qui s'occupe du parent scolaire, peu importe. Fait que ça, c'est vraiment la première étape que je conseille. Puis après ça, c'est vraiment juste avec le thème puis l'ambiance que tu veux donner avec ton comité. Par exemple, moi, je voulais que les gens se sentent bien, qu'ils se sentent à l'aise de sourire. Puis, on a en tête de comme, tu sais, rajouter des petites poufs dans notre local, puis c'est vraiment, c'est difficile à expliquer, mais c'est vraiment dans le vibe que tu veux envoyer, genre. Puis ouais, je pense que c'est ça, vraiment la chose que je conseille, c'est de s'allier avec quelqu'un du personnel de l'école. Si je peux rebondir sur ta réponse, toi, par exemple, dans ton cas, comment t'as fait pour choisir la personne, puis je vais mettre une deuxième sous-question à ça. Je me demandais, parce que vous abordez quand même des thématiques qui peuvent amener des grandes réflexions, peut-être des inconforts. Est-ce que vous avez comme quelqu'un qui vous encadre dans cette discussion-là? Comment j'ai fait pour choisir? J'ai pas vraiment choisi, mais tu sais, si la personne n'avait pas fait, genre, si je le sentais pas avec la personne, t'sais, j'aurais trouvé un moyen de changer ou peu importe. Mais en fait, c'est juste que j'en ai parlé au technicien en loisirs. Puis c'est lui qui a donné le dossier à Pascal. Pardon, je me souviens plus, c'était quoi la question après? C'était de savoir si cette personne-là vous soutient dans la préparation pour répondre aux questions, aborder des thématiques quand même qui peuvent faire surgir des émotions, tout ça. Oui, bien justement, c'est un peu ça, sa job. C'est pour ça que j'étais vraiment à l'aise de partir ce projet-là avec elle.
dans le fond, perspective jeunesse, je crois que c'est comme, c'est justement, c'est là pour encadrer les jeunes. Fait que, dans un certain sens, genre, je me sentais à l'aise que ce soit elle qui lead ça avec moi parce que, justement, tu sais, des fois, on aborde des sujets pas tellement faciles, puis ben, les élèves peuvent s'ouvrir à elle, puis c'est vraiment, tu sais, c'est ça sa spécialité, donc. Merci, Mme Gabois, pour les questions. Est-ce qu'on a une autre question? Donc, je crois que ça fait le tour des questions. Mais écoute, Sarah, merci infiniment pour ta belle présentation. Tu es créatif, tu fais preuve de leadership et tu es impliqué dans plusieurs projets au sein de ton école et de ta communauté? Connais-tu Force Avenir? Force Avenir vise à reconnaître, à honorer et à promouvoir l'engagement étudiant et la persévérance. Dans le cadre de son programme au secondaire, l'organisation remet chaque année plus de 640 000 $ en bourse. Je t'explique. D'abord, le programme Force Avenir au secondaire est réparti en quatre pôles régionaux: Québec et Est du Québec, Grand Montréal, Saguenay-Lac-Saint-Jean et Côte-Nord, Outaouais et Abitibi-Témiscamingue. Il y a aussi quatre catégories dans lesquelles tu peux te démarquer. Élève engagé, élève persévérant, personnel engagé, projet engagé. Peu importe la catégorie, le processus de sélection est le même dans les quatre pôles régionaux. Comment ça fonctionne? Prenons par exemple Félix, un jeune créatif, audacieux et engagé dans mille et un projets pour faire une différence autour de lui. Il inspire ses camarades de classe et impressionne ses professeurs, ce qui incite le comité de sélection de l'école à soumettre sa candidature à Force Avenir dans la catégorie élève engagé. Automatiquement, il devient lauréat local et reçoit un diplôme et une médaille de bronze lors du Gala Méritas de son école. Pour réaliser cette première étape, plus de 500 personnes s'impliquent dans les comités de sélection locaux partout au Québec. Le dossier de Félix est ensuite soumis au jury régional composé de 5 personnes. Après une première évaluation, le jury détermine les 6 lauréats régionaux de sa catégorie qui méritent un diplôme et une médaille d'argent, une bourse de 500 $ et qui seront invités au gala Force Avenir au secondaire. Ces lauréats seront promus sur les réseaux sociaux et dans les médias partenaires. Félix est maintenant convoqué en entrevue de sélection devant le jury régional. Il aura la chance de démontrer son leadership et les impacts positifs de ses engagements. Au terme des entrevues, le jury choisira le grand lauréat régional de sa catégorie qui remportera un diplôme et une médaille d'or, une bourse de 1000 $ et qui représentera son pôle régional lors du gala. Ces grands lauréats seront, une fois de plus, promus dans les médias et sur les réseaux sociaux. De plus, dans les catégories élèves engagés et élèves persévérants, les jurys sélectionnent 58 bénéficiaires d'une bourse d'études universitaires d'une valeur de 10 000 $ chacune et 12 gagnants d'une attestation offrant la gratuité pour un programme de formation professionnelle. Et ce n'est pas tout. Les dossiers de tous les médaillés d'or de chaque catégorie dans chacun des quatre pôles régionaux sont soumis au grand jury national qui se compose de 7 personnes. Après évaluation, le jury sélectionne le grand lauréat provincial pour chaque catégorie, ainsi que les 4 lauréats du prix Coup de cœur régional, qui mériteront tous un trophée à venir et une bourse de 1500 $ ou 1000 $ remis lors du gala Force Avenir au secondaire. Alors, tu t'engages? Un leader, une de ses principales caractéristiques, c'est à mon point de vue de mobiliser.
d'être capable d'aller chercher des personnes qui vont adhérer au projet auquel ils croient ou qu'ils véhiculent. Ça va être vrai pour un leader qui est à la tête d'une entreprise, mais c'est vrai pour un leader qui est à la tête d'un mouvement social ou qui a un projet particulier et pour lequel il est capable d'aller chercher des ressources. La principale ressource, c'est qui? C'est quoi? Ce sont les ressources humaines. Je crois que le système d'éducation est prêt à s'ouvrir à une façon différente de faire. Il y a un terreau fertile, surtout qu'on veut tellement que nos jeunes deviennent des citoyens responsables, avec les connaissances et les compétences qui vont leur permettre d'aller au bout de ce qu'ils sont, de leurs rêves, de leurs talents. Dans le fond, c'est de donner de l'espace à l'imagination. C'est de s'assurer qu'on peut sortir un peu du cadre pour accepter des nouvelles initiatives, pour accepter des façons de faire différentes. Et puis, il y a plein de gens dans nos écoles qui sont prêts à le faire. Je suis certaine de ça. Il s'agit juste de leur donner un petit go, leur dire, vous pouvez y aller, hein? Il y a de la place pour l'imagination ici. Tu es créatif, tu fais preuve de leadership et tu es impliqué dans plusieurs projets au sein de ton école et de ta communauté? Connais-tu Force Avenir? Force Avenir vise à reconnaître, à honorer et à promouvoir l'engagement étudiant et la persévérance. Dans le cadre de son programme au secondaire, l'organisation remet chaque année plus de 640 000 $ en bourse. Je t'explique. D'abord, le programme Force Avenir au secondaire est réparti en quatre pôles régionaux: Québec et Est du Québec, Grand Montréal, Saguenay-Lac-Saint-Jean et Côte-Nord, Outaouais et Abitibi-Témiscamingue. Il y a aussi quatre catégories dans lesquelles tu peux te démarquer. Élève engagé, élève persévérant, personnel engagé, projet engagé. Peu importe la catégorie, le processus de sélection est le même dans les quatre pôles régionaux. Comment ça fonctionne? Prenons par exemple Félix, un jeune créatif, audacieux et engagé dans mille et un projets pour faire une différence autour de lui. Il inspire ses camarades de classe et impressionne ses professeurs, ce qui incite le comité de sélection de l'école à soumettre sa candidature à Force Avenir dans la catégorie élève engagé. Automatiquement, il devient lauréat local et reçoit un diplôme et une médaille de bronze lors du Gala Méritas de son école. Pour réaliser cette première étape, plus de 500 personnes s'impliquent dans les comités de sélection locaux partout au Québec. Le dossier de Félix est ensuite soumis au jury régional composé de 5 personnes. Après une première évaluation,
le jury détermine les 6 lauréats régionaux de sa catégorie qui méritent un diplôme et une médaille d'argent, une bourse de 500 $ et qui seront invités au gala Force Avenir au secondaire. Ces lauréats seront promus sur les réseaux sociaux et dans les médias partenaires. Félix est maintenant convoqué en entrevue de sélection devant le jury régional. Il aura la chance de démontrer son leadership et les impacts positifs de ses engagements. Au terme des entrevues, le jury choisira le grand lauréat régional de sa catégorie qui remportera un diplôme et une médaille d'or, une bourse de 1000 $ et qui représentera son pôle régional lors du gala. Ces grands lauréats seront, une fois de plus, promus dans les médias et... Vous pouvez y aller, les garçons. Bon, donc bonjour, je m'appelle Sepper. Je m'appelle Baruch Nassar. Donc, en fait, ce projet a commencé au début de l'année, au mois d'octobre, quand j'avais un de mes propres amis qui est dans ma classe, il s'appelle Franklin Mayville, et il voulait une coupe de cheveux. Et juste en tant que blague, je lui ai dit, viens, je vais couper des cheveux moi. Qu'est-ce qu'il y a? Non, on vous entend pas, tu sais. En fait, Julien, des fois, il parle à d'autres personnes qui ne font pas partie de la conférence, fait que tu peux nous parler. Parfait. Donc, ouais, comme je disais, je lui ai proposé de couper ses cheveux. Et là, on cherchait un endroit et on a eu l'idée d'utiliser les vestiaires de l'école, comme c'est très accessible et c'est proche. Donc, on a fait ça, je pense, c'était un mercredi et ça a quand même bien tourné, c'était une belle coupe de cheveux. C'est pour ça qu'un autre de nos amis, Justin, il a demandé si on pouvait lui couper ses cheveux à lui le lendemain. Donc le jeudi, ça s'est encore répété durant le dîner, on a coupé les cheveux à Justin. Et c'est là que M. Miette, il est venu dans les vestiaires et il a vu la scène d'environ 15 jeunes garçons en train de couper les cheveux d'un autre garçon dans les vestiaires de son école. Ouais, donc c'est un peu ça. Donc, c'était un peu à la blague. Tout a commencé à la blague, mais après, ça s'est comme un peu concrétisé. Et il nous a proposé, il nous a dit, si vous voulez vraiment comme faire couper les cheveux, en fait, faites-le, mais de manière plus comme plus dans un cadre scolaire. Donc, ils nous ont passé comme une salle, puis ça a vraiment commencé de là. Donc, avant, c'était des amis qui nous passaient des clippers, des machines à couper, des ciseaux. Mais là, on a vraiment commencé à investir, puis on s'est dit, OK, on va faire ça plus de manière sérieuse. Puis on s'est vraiment dit, OK, on va commencer à acheter nos propres machines. On a commencé à acheter des peignes. Puis là, on s'est dit, OK, on va vraiment commencer à couper. Puis là, on nous a proposé de couper les jeudis et vendredis de la semaine dans un local qui nous y est attribué. Donc là, on a commencé à couper assez régulièrement, puis c'était souvent un peu nos amis. Puis à un moment, là, c'était plus les adultes ont commencé à en entendre parler. Ils ont trouvé un peu l'idée un peu géniale, un peu loufoque, mais ils ont commencé à apprécier le concept. Donc, il y a certains profs qui sont venus et surveillants. Donc là, c'était un peu plus populaire. L'école a commencé à savoir que, OK, dans ce local-là, les jeudis, vendredis, il y a deux garçons de secondaire 5 qui coupent les cheveux. Donc là, le projet a commencé à un peu plus grandir. Puis, un de nos professeurs d'éducation physique, M. Vincent Thomas, nous a proposé, parce qu'il voulait nous donner du pourboire, mais comme qu'on est à l'école, dans un 4-1, on ne peut pas recevoir du pourboire. Donc, il nous a proposé, pourquoi vous ne faites pas une levée de fonds? Vous récoltez un peu de l'argent, puis vous allez pouvoir la donner à une fondation ou quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, nous, on a trouvé cette idée assez bonne. Donc là, on s'est dit, OK, on va essayer de mettre ça en marche. Donc, au début, bien sûr, nos coupes de cheveux sont gratuites pour tout le monde. Donc, tous les jeunes qui viennent, c'est vraiment gratuit, totalement gratuit. Mais sur base volontaire, ils peuvent donner un petit peu, donc un petit 5 $, quelques dollars. Puis, mais souvent, c'est vraiment les enseignants qui nous donnent des gros montants. Donc, c'est vraiment comme ça que ça a commencé. Puis, on s'est dit qu'on va donner tout le montant accumulé à la fondation de l'hôpital Sainte-Justine. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit que
le fait de couper les cheveux d'abord, c'est de redonner le sourire, donner de la confiance aux personnes. Puis on pense qu'il y a une certaine corrélation avec l'hôpital. Donc, on pense que les hôpitaux, en fait, c'est un peu ça leur but, c'est de comme redonner un peu le sourire, puis tu sais, de refaire, donner en, il en reste fait une minute une à la présentation. Aider en fait. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi la fondation de l'hôpital Sainte-Justine comme fondation. Ouais, et c'est ça, pour conclure aussi, après ça, on a été mis en contact avec deux anciens athlètes du BOC qui étaient ici à Monseigneur Richard il y a quelques années. Et en ce moment, eux, ils ont ouvert leur propre barbershop, salon de coiffure sur la rue Wellington. Ça s'appelle Birdington. En fait, ces deux jeunes ont vu la publication que l'école a mise sur Facebook et ils ont contacté notre gérant de sport, Patrick Perrotte, qui nous a mis en contact avec eux et ils nous ont proposé une formation. Donc, on a été formés par eux deux fins de semaine de suite et en ce moment, on est en train d'organiser un projet de levée de fonds, donc qu'eux, ils vont prendre toute leur équipe pendant une journée avec moi et Baruch. Et on va couper à longueur de journée pour essayer de ramasser le plus de fonds possible pour donner à l'hôpital Saint-Justine. Merci pour la présentation. Donc, on passerait aux périodes des questions pour les jurys. Donc, Madame Tan, allez-y pour la première question. C'est fantastique comme idée. J'ose pas dire à quel point je suis un peu croûte dans le système Force à venir, mais c'est la première fois que j'en entends parler et ça veut dire quelque chose. C'est vraiment cool. J'ai une question loufoque et une question un peu plus sérieuse. Ma question loufoque, est-ce qu'il y a des filles qui se sont essayées se faire couper les cheveux chez vous? Pas encore, mais j'ai une amie à moi qui est partante pour venir cette semaine ou la semaine prochaine. Peinture. Vraiment parce qu'on n'avait pas encore manié le ciseau, mais grâce aux formations, maintenant, les filles commencent à nous faire un peu plus confiance parce que là, on a la technique avec les ciseaux. Donc là, c'est un peu plus facile de couper les filles parce qu'avant, on faisait juste à la tondeuse un peu plus. Donc là, on a plus de facilité puis plus de clients. Donc, puis ma question un peu sérieuse, je ne me rappelle plus en quelle année vous êtes en secondaire 5, je pense. Oui. Qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine? Oui, bien, effectivement, on a déjà réfléchi à ça. On va essayer de continuer, en fait, le projet. On va essayer de revenir l'année prochaine puis comme donner une petite formation au secondaire 4, comme ça soit une petite tradition pour que ça perdure dans l'école, qu'il y a le petit coin barbershop. On est en train de travailler une petite insigne qui équipe barbershop depuis 2021 avec nos noms pour juste que ça soit un peu une commémoration pour savoir que c'est nous deux qu'on a créé, puis après, il y aura vraiment tout le temps des élèves de chaque année qui vont apprendre à couper les cheveux, puis nous, on va être comme les mentors de base qui vont venir comme les aider à cause qu'on a un peu plus d'expérience. Moi, mon père, il était un coiffeur, puis lui aussi, celui, c'est sa mère. Donc, c'est un peu ça, on a un peu déjà un bagage, puis grâce aux formations de Burlington, on a un peu plus d'expérience, donc c'est un peu ça. Moi, je souhaite longue vie à votre projet, je le trouve qui est vraiment, vraiment, vraiment cool. Merci. Madame et monsieur, malheureusement, j'ai un rendez-vous, donc je dois vous quitter. Je vais laisser Baruch continuer l'entrevue, mais merci beaucoup et j'espère vous revoir pour l'année prochaine. Merci beaucoup. Bonne journée. Tu peux enlever ton masque vu que ton collègue est parti. OK, parfait. Puis ensuite, je crois que c'était Madame Gabois qui était la prochaine pour la question. Oui, alors, merci. Moi aussi, j'apprécie vraiment votre initiative. C'est souvent les idées toutes simples hein, qui peuvent devenir les meilleures idées. Et je tiens aussi à souligner à tous les deux votre belle façon de vous exprimer. C'est hyper motivant de voir des beaux jeunes comme vous, là, monter des beaux projets comme ça. J'aimerais en savoir un peu plus sur la journée que vous planifiez là, avec le barbershop. Est-ce que vous avez pensé faire la promotion? Est-ce que c'est des jeunes de l'école qui vont venir? Donc, connaître un peu plus là, l'étendue de ce que vous espérez pour cette journée-là de levée de fonds. Ben, en fait, là, on a fini les formations avec Burlington. Donc là, c'est vraiment, on va commencer à travailler sur l'événement, en fait. Et on a déjà un groupe, puis on s'est dit qu'on va essayer de faire l'événement avant la fin de l'année.
Donc, ça serait un événement qui est ouvert à tous. Eux, ils vont le publier dans leur compte Facebook, dans tout leur réseau, puis nous aussi de notre côté. Puis ça va être vraiment ouvert à autant leurs clients, en fait, de l'extérieur, puis nous aussi, les élèves de l'école. Donc, ça va être ouvert à tous. Puis c'est vraiment le but, c'est juste d'amasser le plus de fonds parce que, bien sûr, à l'école, on n'arrive pas à récolter plusieurs fonds à cause que c'est vraiment juste souvent les enseignants qui donnent un peu de leur monnaie, mais souvent, c'est souvent juste des jeunes qui viennent, puis les jeunes, c'est vraiment gratuit. Donc, c'est pour ça. Donc, on va essayer d'amasser le plus de fonds, puis après, on va pouvoir le donner d'ici la fin de l'année à la fondation. Donc, on va essayer de le faire d'ici fin mai. Ça, c'est la date qu'on prévoit, mais les discussions, ils sont pas encore finies, puis ils sont pas encore confirmées, mais on est vraiment en train de travailler là-dessus. Merci beaucoup, Mme Gabois, pour la question. Donc, à vous, M. Vanier. Excellent. Écoute, good job pour ce projet-là. Vraiment, c'est un projet là, qu'on ne voit pas souvent. C'est complètement nouveau. Je trouve que c'est vraiment le fun. Si votre directeur est aussi là, je pense que bravo à lui aussi, parce que je me mets un peu dans ses souliers de directeur, trouver du monde dans les vestiaires qui se coupe les cheveux. C'est peut-être qu'à lui, il se serait dit, ben, tu sais, je vais juste arrêter les gars et leur dire, ben, écoute, ça se fait pas à l'école. Mais à la place, vous avez comme pris cette situation-là, vous avez fait un projet qui est totalement nouveau, puis qui a vraiment un impact autant dans votre école que dans la communauté. J'aimerais savoir pour toi, c'est quoi l'impact vraiment le plus important que tu trouves par rapport à ce projet-là, autant dans ton école qu'à l'extérieur? Ben vraiment déjà c'est juste qu'on peut faire partager notre art à travers l'école, donc juste pouvoir offrir des coupes de cheveux. Je sais juste quand il y a des personnes dans l'école qui n'ont pas vraiment les moyens de se payer une coupe de cheveux, ça devient cher. Et donc avoir une offre, de l'avoir gratuitement, puis en plus à l'école, ça leur redonne le sourire un peu. Il y a des personnes qui étaient vraiment heureux après que je les ai coupé les cheveux. Donc, déjà, ça redonne le sourire. Donc, je pense que c'est déjà un bon impact. Puis aussi, juste le fait qu'on essaie de récolter un peu d'argent avec le peu qu'on a, c'est déjà, moi, je trouve que ça impacte dans la société à cause que redonner à la fondation, ça va revenir à nous, en fait, parce que à tout moment, moi, je peux aller à l'hôpital comme vous pouvez aller à l'hôpital. Donc, je pense que redonner à la fondation de l'hôpital Sainte-Justine va donner, en fait, va faire, en fait, juste du bien, en fait, dans la société. Puis aussi, juste continuer le projet à l'école, ça va faire un projet assez différent de ce qu'on a comme projet souvent dans les écoles. Avoir un projet barbershop va aider que plusieurs jeunes puissent s'exprimer, en fait, dans l'art de couper les cheveux. Donc, moi, je pense que c'est vraiment quelque chose de très différent. Puis, je pense que si on peut continuer à longueur d'année, pouvoir toujours inviter et inciter en fait des jeunes à couper les cheveux puis découvrir cet art qui est très moderne. Donc, je pense que ça peut faire un grand changement en fait dans l'école. Sais-tu combien vous avez ramassé à date pour la fondation? Ouais, ben à date, c'est comme une quarantaine de dollars, mais ça reste à comme vérifier parce qu'on l'a mis comme dans une caisse que nous, on ne peut pas vraiment toucher. On fait juste le donner à notre gestionnaire. Donc, on ne sait pas un peu trop combien on a récolté. C'est plus les enseignants qui vont donner directement. L'argent ne passe pas par nous. Donc, il faudrait qu'on confirme ça, mais c'est comme une quarantaine de dollars encore. Donc, c'est pour ça que la levée de fonds veut vraiment venir aider pour amasser le plus de fonds puis donner vraiment une bonne somme à la fondation. Parfait. Merci. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, M. Vanier, pour la question. Donc, à votre tour, M. Gosselin. Mais en fait, j'ai pas de questions. T'as bien répondu à toutes, mais je voulais juste dire félicitations comme mes collègues. Je pense que c'est un projet qu'on voit pas souvent. C'est innovateur, c'est nouveau. Puis je trouve ce qu'Arnaud a dit, moi, le directeur d'école, j'aurais peut-être cru qu'il aurait plutôt stoppé votre projet. Mais finalement, il vous a encouragé. Puis je trouve ça vraiment génial. Donc, lâchez pas, puis c'est très beau. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Donc, ben écoute, Mbarouk, ben écoute, félicitations encore une fois pour ton beau projet de la coupe. Moi, je suis à Québec, je ne peux pas aller me faire couper les cheveux, mais j'invite mes collègues jurés à aller faire un petit tour s'ils peuvent. Donc, encore une fois, félicitations, puis bonne chance pour la suite des choses.
Merci beaucoup. Voilà, c'est ce qui met fin à cette journée d'entrevue de sélection. J'espère vraiment que vous avez apprécié les histoires que vous avez entendues et que ça vous a inspiré peut-être vous également à faire une action, pourquoi pas, dans votre collectivité. C'est un peu la mission de Force Avenir. Donc, on se retrouve pour une autre journée d'entrevue. Pour ne rien manquer, je vous invite à suivre l'horaire des entrevues de sélection sur notre site Internet ou encore sur nos réseaux sociaux. Donc, à bientôt. Au revoir.